Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est ma wishlist de Noël 2014. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite. Donc en fait, cette wishlist, c'est pas vraiment ma wishlist de Noël. C'est plutôt mes envies du moment. Bon, il y a en partie ce que j'ai envie de Noël, mais d'autres cadeaux qui coûtent beaucoup plus cher, qui sont juste des envies que je pense m'acheter plus tard parce que j'économise un petit peu. Donc voilà. Donc tout d'abord, la première chose que j'aimerais avoir, c'est un manteau. Donc qui vient de la Redoute. Donc c'est un manteau droit en bouclette de laine. Voilà, c'est ce qu'il y a écrit. Donc c'est ce manteau là. Donc qui se ferme sur le côté en bleu. Donc voilà celui-ci. Qui est à 149 francs, mais voilà, c'est une envie. Puisque j'ai pas vraiment de manteau pour l'hiver, à part ma veste du ski. Donc voilà, donc tout d'abord c'est ce manteau. Donc la deuxième chose que j'aimerais avoir, c'est un Polaroid. Donc les Polaroids de Fuji, je sais plus trop quoi. Donc c'est un Polaroid, c'est pour faire des photos dans ce format. Donc avec la photo et la barre blanche. Sauf qu'elle sortirait directement. C'est l'appareil photo qui fait directement la photo de ce que vous avez pris en photo. Donc voilà, c'est très bravo Kylian. Et voilà, j'aimerais beaucoup ça parce que c'est bien pour les soirées ou les moments où on a avec des amis. Et faire une photo, bah, ça garde ce moment. Et je trouve super beau comme photo. Et voilà. Donc pour celles qui vivent en Suisse, si ça intéresse, ils se trouvent à la Fnac. Et ils sont à 89 francs 90, je crois, l'appareil. Donc voilà. Une chose que j'aimerais bien avoir, c'est des pinceaux. Donc les pinceaux de chez Zoeva sont juste super incroyablement bien. Voilà, donc j'aimerais beaucoup avoir les pinceaux de chez Zoeva. Ils sont super doux, super super bien. J'ai vu plusieurs revues dessus sur YouTube et franchement ils me tentent énormément, mais c'est un peu cher. Voilà, les 7 c'est un peu cher. Donc voilà, on verra. Pourquoi pas, parce que les pinceaux c'est toujours bien d'en avoir et surtout que j'en ai pas énormément. Donc voilà, si jamais Papa Noël tu m'entends, des pinceaux, non? Donc le prochain cadeau que j'aimerais bien avoir, c'est un plaid. Donc j'en ai vu à Maison du Monde et ils sont juste super doux, super grands. Parfait pour les journées, soirées, cocooning. Donc voilà, j'en ai vu un qui était à 40 €, si mes souvenirs sont bons. Dans le maquillage, j'aimerais bien avoir la palette Chocolate Bar de chez Too Faced. Cette palette est juste dinguissime. Voilà, il y a des couleurs magnifiques et Too Faced, c'est vraiment de la qualité. Donc voilà, j'aimerais beaucoup les avoir. L'avoir. Et voilà, et les fards, je sens le chocolat. Oh, chocolat. Donc voilà. C'est une palette juste magnifique que pourquoi pas l'avoir à Noël, mais autrement je compte sûrement aller me l'acheter quand je vais en France voir un Sephora parce qu'elle est vraiment dingue. Donc voilà, encore dans le maquillage, j'aimerais bien un rouge à lèvres de chez MAC. Donc pour l'instant j'en ai deux, donc j'ai le Diva, celui que je porte en ce moment, et le Rebelle, donc qui est un violet un peu satiné. Et j'aimerais bien en avoir un autre. Voilà. Mais qu'il soit un peu plus nu. Voilà. Arrête de te voilà, putain. On s'emballe de te voilà. Quelle est ma contamination. Le dernier cadeau que j'aimerais bien avoir, qui n'est pas vraiment un cadeau que j'aimerais avoir, c'est surtout une grosse envie que j'ai en ce moment. Et que j'économise petit à petit pour me l'acheter. Parce que je ne demanderai pas ça à Noël, c'est sûr, vu le prix. Voilà, donc c'est un appareil photo, le Canon EOS 70D, pour les françaises. Donc c'est le Canon EOS 70D, comme vous voulez, que j'aimerais beaucoup avoir parce que je fais beaucoup de photos. Voilà, donc ceux que ça intéresse, j'ai une page Facebook que je vous mettrai en barre d'infos. Oui, je vous saoule avec cette page, je la mets partout dans mes vidéos, je vous dis d'aller la voir, mais elle est trop cool. Je suis fière de mes photos dessus. Donc voilà, allez la voir, elle sera en barre d'infos. Et donc voilà, j'aimerais beaucoup avoir le Canon EOS 70D que j'économise pour me l'acheter, mais je crois qu'il est à 800 et quelques francs.
Donc voilà, c'est très très cher pour un appareil photo, mais il fait des photos de dingue. Voilà, donc j'économise et on verra bien, parce que c'est vraiment un appareil très professionnel. Donc voilà, donc pour l'instant j'économise et si j'arrive à l'acheter, vous en entendrez parler très prochainement, enfin prochainement, si et quand je l'aurai acheté. Donc voilà, ma wishlist 2014 est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées, des petites envies. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Si jamais j'ai oublié des trucs, ce sera en barre d'infos, comme d'habitude. Mes liens de réseaux sociaux sont... Les liens de mes réseaux sociaux seront en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !